Allez, dernière partie du coup de l'aventure d'Alaran. On fera aussi à mon avis la partie héroïque. Mais j'ai pas fini les autres, hein, vu que je les avais fait sur NA. Là on est sur Europe. Cinquième partie. La citadelle de Kirin Tor, très bien. Kirin Tor qui est du coup, en tout cas dans le jeu, le mage qui te permet de, pour 4 de mana de jouer. Non, pour 3 de mana, qui est une 4-3 qui te permet de jouer un secret gratos en quête de guerre. Et qui est un personnage de WoW, j'imagine, mais que je ne connais pas vu que j'ai jamais joué à World of Warcraft. Même si j'aurais bien kiffé, j'ai jamais eu cette chance. Voilà, j'ai pas eu d'abonnement quand j'étais petit. Voilà, vous connaissez, enfin, quand j'étais petit, je comprends. 4 rencontres supplémentaires. Comment ça? Elle a prévu 4 rencontres supplémentaires. C'est quoi ce délire? Ah, on va jouer 12 boss. C'est ça l'histoire dont vous me parliez. Ok. Du coup, c'est censé être beaucoup plus chaud. Moi, je sens le prochain. À moi le fusil. On va prendre Hunt. Hunt ou on prend guerrier? Je prends Hunt. Non? Ah, je sais pas. J'ai pas pouvoir spécial avec une des classes. Regardez ça. Là, réduit de 2 cristaux le coût d'une carte aléatoire de votre main. C'est pas mal. De 2 cristaux, hein? What the fuck? Oh, c'est bien ça. Prends ça, non? Démo au paladin. En paladin, je pense pas que j'ai des trucs spécifiques. Avec moi, ce sera vite. Shaman, je sais pas si j'ai. Non, j'ai rien. Nouvelle classe, oui, mais j'ai pas les effets, tu vois, c'est dommage. J'ai envie de profiter des effets, parce que j'ai jamais testé ça. Mais je prends des esprits ardents. Et en liste, j'ai les élémentaires, c'est bien les élémentaires. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit spécialement mieux, hein. Pas sûr que ça soit spécialement mieux. Apprenti est mieux. Ouais, je sais pas. Vas-y, go. Allez. Il change la garde la plus à gauche de la main de chaque joueur avant. Avec une notion d'à coup. On l'a déjà fait, celui-là. On l'a déjà fait, pas de soucis. Autant tester des trucs nouveaux. Oui, mais là en soi, j'avais pas testé avec le nouveau aéroport, tu vois. 100 points de vie le dernier boss. Ah ouais. Bon après si t'as le bord tu t'en fous. Salut Mazir, salut à ceux qui arrivent les gars. Yo yo. Donnez-moi votre trésor. Approchez, approchez. Ah, le pouvoir héroïque est trop bien hein. 110, ah ouais. Ah bah oui mais j'imagine que certains l'ont déjà fait là. Il est 20h15, c'est sorti à 19h. Moi je l'ai pas fait pour la faire avec vous. Je me suis dit je vais attendre. Je vais au sommet attendre. De cette citadelle, vous attendent les mages les plus puissants d'Azeroth. Préparez-vous pour un long combat. Très bien, je suis prêt. Je suis excessivement prêt. Oh là, c'est fumé. Oh, c'est fumé. Oh, rien d'entrer au point, c'est une innervation. Bordel. Bon, pas autant parce que je peux pas forcément choisir, mais vous avez compris l'idée. Je peux faire ça et puis ça. Non, mais je peux pas, du coup, il y a le flamta. Ok, on le tente avant. Vas-y, on grid. Hop. Et du coup, je peux value trade et heal. Oh, incroyable, on fait de la value. Hein. Oh là là, directement la value qui est prise. C'est pas le même boss. Ah oui, c'est pas le même boss. Mais ce qu'ils faisaient mieux là-bas, c'était échange à carte à gauche. Ils m'ont menti en fait. Le jeu, il m'a littéralement menti là en fait. Il m'a menti de jeu. What the fuck? Ciao, Maxime. Le jeu m'a menti très bien. Oh là là, quel talent. Bien sûr. Ça bug d'affichage. Ok, ok. Entre nous, c'est de l'improvisation totale. Je vais pas te mentir, je pense qu'on va gagner la première déjà. Me voilà rassuré. En même temps, on est en mode normal, on n'est pas censé perdre en normal. Allez, c'est vraiment le passif qui est hyper important. Là, le premier choix qu'on a à faire, il est ultra important pour la suite de l'aventure à chaque fois. De l'aile. Ce choix-là, voilà. Recyclez-les,
c'est bon pour l'environnement. Avec juste ce qu'il faut de cruauté. Donc on n'a pas les meilleurs, hein. On n'a pas les meilleurs effets. Vraligonis déclenche deux fois, bah... bof. Vous commencez la partie avec un cristal de mana en plus, c'est ce qu'on va probablement prendre. Mais c'est pas aussi fort que celui qui réduit de moitié le coup des cartes et autres. Et ça, une fois qu'un serviteur allié meurt, gagne deux poids d'armure. C'est pas fou, hein. On prend le gemme de cristal. Mais... c'est bien, hein, mais il y a vraiment mieux. Mais ça reste correct, bien sûr. Surtout que nous, on a notre effet Hero Power qui s'énergise entre guillemets bien avec. les mechas bof. Hein. Bof, bof. Ce sera pour l'arène, ça. Les AO, je suis pas trop fan. On peut peut-être prendre ça. Bon. J'ai tour de magie qui est bien avec Atiflam et Archimage. On a une apprentie qui peut s'énergiser avec. Pourquoi pas. Brûler, ouais. C'est de voir si on peut faire une sorte de mage spell, ça c'est assez marrant. Hein. Ok. C'est encore un mensonge ou c'est vraiment le vrai effet ici? On va voir ça. L'armure avec plein de petites cartes, mais qui arrive à le danger, c'est que l'adversaire t'amène à la fatigue. Salut Zim, tu vas bien? Zim, on rappelle qu'il est qualifié pour ces halls. Il y a eu Felkane aussi dernièrement, il y a eu qui d'autre en FR Razayel? C'est Razayel ou c'est un autre pseudo? Est-ce que c'est Razayel d'il y a genre très longtemps ou c'est genre Razayel et j'ai pas bien compris? Je sais pas. J'ai quand même gardé ça en mat de départ avec l'aéroport peut-être. Et je relance le reste. Vas-y, on va tenter. Antoinas, plus ce pouvoir, le sort coûte de la vie. Bah bof, je vais me tuer, non? C'est Razayel, donc pas Razayel. Ah oh, vas-y, j'ai envie de feed. Oh vas-y. Ça change rien. Ça change rien. C'est un échange équitable. Une contre une. Attends, il m'a pris quoi là? Il m'a pris mon Atisflamme. Oh non. Ok, on joue ça et puis ça. Order. C'est quoi l'histoire avec Viper? Mais justement, j'ai pas compris pourquoi il y avait des mecs qui avaient pas compris, je pense, que ce que Viper avait tweet en fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont juste rien compris. Attends. Attends. Mais il y a pas d'histoire avec Viper en soi. Il y a juste deux mecs qui échangent sur la méta sur un deck et d'autres qui sont venus troller. Attends. Où est-ce qu'il est le message? Je vais retrouver ça. Attends, je vais faire mon tour déjà. On peut faire Jelsa et Go Face. Vas-y, go. Une pour vous, une pour moi. C'est ça. Du coup Viper a tweeté sa liste qui est du voleur lapin. Donc ça va être cool, on va voir du voleur lapin au Grandmaster. Et je pense que c'est pas le seul, il y a aussi un Bunny Hopper. Et du coup moi je me dis ça va être cool à regarder. Mais je doute que ça gagne une game. J'espère que je me trompe, tu vois, en mode bah je crois pas au deck, tu vois. Parce que bah j'en ai croisé et c'est vrai que c'était pas fou. Et il m'a dit du coup tu devrais essayer le deck et pas les trash lists. Donc les listes des gens qui le testent actuellement. Donc lui ce qu'il pense c'est qu'il y a beaucoup de listes lapin qui sont mauvaises parce qu'elles sont mal construites et que la sienne elle est bien et qu'actuellement il trouve que c'est le meilleur rogue et du coup je lui ai dit bah je vais l'essayer, bonne chance pour le week-end. Et puis derrière bah j'ai le message de Maybe de Johnny en mode bon toutou, mais je sais pas s'ils ont pas compris ce qui a été dit, mais là il y a juste un échange de courtoisie entre Bunny Hopper et moi, Bunny Hopper, Viper et moi. Et là l'état elle est incroyable. Ok. Donc j'ai pas compris. J'ai juste pas compris. Parce que pour le coup, je me doute que si Viper l'a ramené, normalement c'est qu'il l'a testé, tu vois. Donc si lui il estime que c'est vraiment bien et qu'il pense que... Parce qu'il faut savoir qu'il les a submit mardi et que derrière, il doit s'entraîner avec. Donc il peut très bien submit quelque chose mardi et puis se rendre compte que bah, au final il s'attend que ce soit plus faible que prévu. Mais là il estime vraiment Viper que le deck est très très bon. Donc bah si le mec l'a testé pendant je sais pas combien d'heures,
clairement tu donnes du crédit au truc, tu vois. Raid anormal. Ah non, raid anormal. Raid anormal. Juste pas compris les réponses à mon tweet, tu vois. Ça, ça reste dans l'optique. Hein. Atis Flamme, Torche, Vapo. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Atis Flamme, Antwindas, la synergie brûlée. Bof. Faut qu'on commence à jouer des secrets, ça m'arrange pas trop. Ça, c'est bien pour la synergie, mais bon. Le reste est bof. Là, au moins, on a des spells. La Vapo est naze, mais Torche et Atis Flamme, c'est cool. Donc, ça me va. C'est la faute de Felken, je te dis MDR. Je crois qu'ils ont pas compris. Non, mais je pense qu'ils ont pas compris, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont pas compris, mais je pense qu'ils ont juste pas compris. Comme quoi, je suis pas le plus naze en anglais. Une fois que vous avez lancé un sort, rend 3 points de vie à votre héros. Pour lui, hein. Ok. Ça me va. Felken qui avait mal compris sur le coup et les gens ont pris ça au premier degré. Ok. Bah, je sais pas ce qu'il a mal compris. Zalae a joué une liste similaire cette nuit, il n'a pas eu de réussite avec. Mais moi je l'ai croisé dans la dehors, mais c'est ce que j'ai eu en fait. Le sentiment, c'est que comme je disais, le deck manquait de consistance. Mais ici, bah moi je connais pas suffisamment la liste. Et lui il estime que sa version elle est optimisée, tu vois. Donc probablement que. Enfin, j'espère en tout cas, comme je t'ai dit. Moi j'espère que ça va marcher, tu vois. C'est trop bien. Voleur la passe, si c'est un nouvel archétype dans la méta, c'est trop bien. Bon, c'est chiant pour mon guerrier dans l'idée, mais si ça marche, c'est super cool. Je suis pas du tout en mode trash ou quoi que ce soit. Et lui non plus d'ailleurs. Ça aurait été tellement prétentieux de dire à Grandmaster qu'on son deck pue la merde en même temps. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ce que je pense. Moi, j'estime que le deck, c'est. J'y crois pas trop, mais j'espère que ça marche, tu vois. J'espère que ça marche, vraiment. Genre, j'ai pas testé. Et surtout, pour le coup, bah, comme il a dit lui-même, c'est pas. Il va pas forcément taper sur le mauvais matchup, il me semble qu'il a dit. Mon ventre, il commence à gargouiller. Il me faut un. Bah, en vrai, on fait ça. Oh putain. Il tag chaque fois le plus petit ou c'est random et je me fais avoir? Non, c'est aléatoire. Felken avait cru qu'il t'avait dit retourne jouer tes trash decks au lieu des decks trash tiers lapin. Ok. Donc Felken qui se fout de ma gueule en anglais et à un niveau encore plus assez, très bien. Le boss. J'ai quand même envie de dire au power. Ah mon dieu. Ah. Je vais trade. J'ai peur qu'il fasse un boost value trade, je sais pas quoi. Ça va saigner. On peut faire 2, 3 et puis le spell. Bon, par contre que ça touche, mais après je peux taper avant. Mais j'ai quand même deux projectiles. Ah, ça touche pas, je suis dans la merde. Je vais trade avant pour assurer peut-être. Oh non, je peux pas. Les chances que ça touche pas, c'est 25% en fait. Statistiquement. Alors certains vont me dire une chance sur deux, mais c'est pas une chance sur deux, c'est 25% je pense. Donc t'as d'abord une chance sur deux et puis entre guillemets une pseudo chance sur deux, même si l'autre a déjà touché avant. Non, je pense que c'est mieux de pas taper. Pourquoi mon téléphone fait du bruit? Normalement il doit être en occupé. Laissez-moi faire. Voilà, ne pas déranger. C'est bon, c'est 50%, ça touche, ça touche pas. Je suis repu. On peut faire ça, ça et puis l'aéropower. Après, ça touche une de ces deux-là, je m'en fous en soi, mais... Bah si, parce que derrière, ça m'arrange pas, vu que j'ai joué quand même sur le tour. Du coup, niveau mana, c'est pas value. Okay. Pas le débat pourcentage. Ah, le fameux débat. Moi, j'aime bien. Ah. Ah oui. C'est beau.
Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça me va. On va prendre la popo à sac. Alors, afflige chaque point de dégâts, oui. Et ajoute 2 démons aléatoires, c'est beau jeu. Vas-y, beau jeu, de toute façon, on a gagné. Hein. Ça va saigner. N'oubliez pas le pourboire. On va voir les démons. Ok, c'est tout. Oui, dans tous les cas, j'aurais pu avoir le garde finesse du coup. Ok. Je pose un peu la question, est-ce qu'on aurait pu avoir le garde? Mais on a également les démons du mode libre. Du mode wild. Ce qui est logique, ce qui est tout à fait logique pour le coup. Allez, 2-3. Est-ce que du coup c'est maintenant qu'on va voir Bob? Ou c'est quand même plus tard du coup, est-ce qu'il le décale? À la fin de votre tour, invoque une copie de ce serviteur. Ouais, bof. On veut bien des spells, nous on va signer avec Latis Flamme éventuellement et Antonidas. C'est pas une mauvaise chose. Donne un tour supplémentaire, puis donne un tour supplémentaire à votre adversaire. Oh, dangereux ça. Surtout quand ils ont beaucoup de points de vie. Choisis ça, serviteur allié, remplace tous les serviteurs de votre deck d'aventure. Après, il y a moyen peut-être de faire un OTK avec Antonidas et, et d'autres apprentis. Choisis ça, serviteur allié, remplace tous les serviteurs de votre deck d'aventure par des copies de ce serviteur. Quoi? La 33 et OP, c'est arrivé à donner plus de plus 2 avec Bob. Ouais, après il faut essayer l'attaque sur Bob quoi, c'est pas évident. Mais on peut tester. On peut tester. En vrai, c'est double 3-3 pour. Enfin. En vrai, ça peut être insane, oui. Celle du milieu, elle est à nul à chier, ouais. Non, ça me tente bien ça. J'ai pas testé celui-là, vas-y go. Lenard, on va essayer le shoot avec Bob, comme t'as dit. On a le côté brûlé. La vapo ça m'emmerde, j'en veux pas deux. Hein. Boule de feu, bah c'est un peu dommage avec les Atisflammes. Canon, c'est bien avec Atisflammes et Antonidas. Bah, go quand même prendre brûlé. Ah, c'est chaud, hein. Vas-y, on prend, Osef. On prend la synergie brûlée. C'était pas ouf, mais voilà, Bob. On va virer les vapos grâce à Bob. On peut virer des spells parfois. On peut virer des spells. C'est pour la game, pas le run. Ce que je me suis dit, ouais. Ce que je me suis dit que ça pouvait pas être pour le run, ça aurait été abusé. Bob, c'est le frère. Le frérot. Le boss. Oh! Ça! Ajoute tous les serviteurs adverses dans votre deck d'aventure et gagne plus up en se virer. Le problème, c'est que j'ai des doublons pour Caracus. J'ai déjà deux doublons. Lui, c'est pas ouf. Ouais, ça m'arrange moyen. Retire tous les serviteurs alliés présents sur le plateau de votre. Non, surtout pas. Vous choisissez un serviteur allié, il gagne +4/+4. Mais coûte 2 cristaux de plus pendant cette partie. Ça c'est bien ça. Ça c'est ce qu'on veut sur lui. C'est à dire qu'on a une 7-7 pour. On a une 7-7 pour 3 pour 5. Et elle se dédouble. Et on peut le copier du coup. Mais je sais pas si les copies gardent les boosts. C'est ce que. Il y avait cette question l'autre fois, mais je me souviens plus. Du coup on fait ça 7-7 et on envoie dupliquer 7-7. Je sais pas si elle se copie 7-7, je pense pas, mais on avait eu déjà ce débat à la con. Il fait vraiment des calculs 3+2, oui. Oui, je fais vraiment le calcul. Fais d'abord le boost puis copie. Mais on va le tester dans tous les cas. Non, elle garde pas. Si avec boost. Non, vous m'emmerdez. Déjà l'autre fois il y avait une moitié du chat qui disait oui, l'autre moitié qui disait non. Écoutez, on va tester, on saura. Ces histoires sont tellement folles qu'elles sont forcément vraies. On s'en fout hein. On va jouer ça. Non, le bait. Il reste Osef.
fréquenter mon établissement. Après, on peut faire ça. Et si c'est de la merde, on les retire. Mais j'ai pas assez de cartes, si. Oui et non. On t'aura prévenu. Mais justement, vous m'avez pas prévenu. Il y a une moitié qui me dit oui, l'autre moitié non. Donc, vous m'avez pas prévenu. Une moitié m'a prévenu, l'autre non. Je sais pas. Je peux pas savoir qui a raison ou pas. Allez, par curiosité. Ça coûte rien. Et on a la faux, regardez. C'est une 3-3. Vu que c'est pas la même. Ok. Pas besoin de rentrer chez vous, mais vous ne pouvez pas rester ici. On les a vu aller dans le deck avec des 7-7. Oui, mais là il est 3-3. Empêchez-les d'accomplir leur quête. Mais ça se met, c'était bugué. Peut-être qu'ils sont vraiment 7-7. Que Dieu silence tous les serviteurs. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant pour nos doublons là. Au lieu, je t'ai fait ch'ti du bar. Ouais, c'est vrai. Contre Bechao. Et ciao. Ce n'est pas du combustible. Bella ciao, bella ciao. Non, ok, j'arrête. Moi, je jouais Dena, moi. En gros, je commence à 2 de mana, mais à 2 de mana, je fais mon héros pouvoir, je m'en fous. Je m'en fous de te rater 2. Comme ça, on peut choper directement le nain. Hop. Non. On le pose. Hein. Je sers le seigneur du feu. Oui, ça reste double 3-3, c'est ça. Wow, qu'est-ce que t'as volé là, hein? Qu'est-ce que t'as volé là, hein? C'était à moi ça? On les joue maintenant, non? Avant qu'ils puissent silence. Parce que là, s'il les gère pas, du coup, j'en ai deux au prochain tour. Et là, il peut pas les silences là. Pas la mana. Oh là 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 là, le Yoshi, ça va ou quoi? Quoi? Je vais aller voir ma nouvelle voiture. Ah! Et c'est quoi la nouvelle voiture? Attention, il y a des gens qui entendent. Hein. Ils peuvent entendre. On peut le dire? La nouvelle Ferrari. Nissan GTR quoi. Oh là 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 là. Putain. Ah, ok. On joue pas à la même cour, hein. Vous savez, nous on joue à Hearthstone, pas Fortnite, donc ah, c'est plus compliqué. Petite Nissan GTR pour Yoshi apparemment. Pas mal, pas mal. Bon, on face. Et on va dupliquer les poteaux. Il va silence, mais c'est pas grave. On n'a pas demandé si c'est d'occasion ou pas, hein. Attention. C'est peut-être d'occasion, on sait pas. On peut faire ça Hero Power. Bah en soi, est-ce que je joue pas forcément Hot 4-3? Je pense que si. Du coup on tente ça et puis on fait Hero Power, vas-y go. Ça sent bon. Pour le moment on est sur les premiers boss, ça se passe bien. Mais après c'est le mode normal, donc c'est normal. Enfin c'est normal, c'est le mode normal, donc c'est normal effectivement qu'on est, on est censé réussir assez facilement. On n'est pas censé être choc, en tout cas pas sur les premiers. Peut-être sur les derniers, on va voir. Alors, est-ce qu'on a du brûlé? On a du brûlé les gars, on a encore du brûlé. Bon, ça va faire 3 vapos quand même dans le deck, hein. 3 vapos, mais bon. 2 Antoine d'As, 2 Atis Flamme, ça synergie, on doit jouer ça, hein. Allez, brûlé, très bien. 2 Antoine d'As. Lui il fait quoi? Vos cartes pour Heroic avec choix des armes combinent les deux effets. Comment ça? Vos cartes pour Heroic avec choix des armes combinent les deux. J'ai pas compris, j'en sais rien. Moi je vais le lancer, on va voir. Ah oui. Non, c'est pas l'arène, c'est l'aventure. Non, c'est trop bien l'aventure. Oui, mais c'est bien aussi. Mais il est chaud! Il est chaud! Il est chaud, il est plus chaud que toi!
Fandral, quoi. Ah, c'est l'effet Fandral, ok, ok. Nature, ça, on va garder ça, c'est bien. Vas-y. Merci Yuxes, merci pour tes 3 mois frérot, merci beaucoup. Oh. Oh cool. Oh nice. Allez. Du coup on en a un qui est 7-7 aussi dans le deck qu'on n'a pas encore vu. Mais le 7-7 il coûte 5. Bah en vrai les knives ils vont juste gagner hein. J'ai mis des Antonidas pour le beau jeu mais ils vont servir à rien. Bon on y va maintenant, c'est terminé non. L'armée de marmottes. On fait rune et aéroport. Allez, en avant les marmottes, en avant. Allez mes petits gars. La nature. Le retour du Grimm. Allez, oui. Aïe aïe aïe. Magnifique. Sans les nets, ton deck a chier. Ouais, je trouve aussi. Mais vu qu'on est en normal, ça va. Mais oui, si on était en mode héroïque, ce serait chaud. Yo, tu vas bien, Chris? On peut avoir encore un cristal de mana. Vos serviteurs qui coûtent 5 cristaux plus n'en coûtent que 5. Oui, mais c'est naze dans mon deck. Et ça, c'est quoi? Vos serviteurs coûtent 1 cristal de moins. C'est mieux ça, non, du coup? On veut la carte en standard, non? Ça revient au même. Non, ça revient pas au même, parce que là, je peux en jouer plusieurs sur retour. Du coup, si je joue deux serviteurs sur retour, je gagne du mana. J'ai déjà une fois le cristal, hein. J'ai déjà la gemme, je commence déjà avec 2 de mana. L'avantage de la gemme, c'est que je peux instant jouer le Na au premier tour. Ah bah non, je peux aussi le faire aussi avec ça. Vos serviteurs coûtent un cristal de moins, donc non, même avec ça je peux le faire. Je pense que c'est mieux, dans tous les cas ça me paraît mieux que la gemme. Surtout si je peux faire le Na à T2. T1, c'est là que c'était ça le plus important. Mais là je commence avec 2, mais le Na coûte 2, donc je peux quand même les jouer T1. Alors, brûler. Brûler, c'est notre archétype, hein. Nous on a un deck brûlé avec des nains. Ça c'est pas archétype ça. Ou c'est ça. On prend les trucs brûlés. Il est interdit de se battre ici, mais rien n'empêche de blesser l'orgueil des gens. Mais on vient de le voir, Bob. On vient de le voir, Bob. Pourquoi il est... Pourquoi on est à nouveau sur vous, Bob? Il y a déjà eu 2 games entre temps. On le voit souvent quand même, hein. T'as plutôt avec nains avec un peu de brûlé. Non, j'ai plus du brûlé avec quelques nains. On peut redoubler des nains ou pas? Je trouve que j'ai pas assez de nains dans le deck. Bienvenue dans ma taverne, les amis. On veut des nains dans le deck. Ajoutez tous les serviteurs adverses dans votre deck d'aventure et gagnent plus un pendant cette virée. Ok, c'est horrible. Vous choisissez un serviteur allié et le retire de votre deck d'aventure. Vous pourrez virer ça, ça me choque pas. Hein. Remplis l'auberge de vos serviteurs. Affiche 4 sorts de votre deck, réduit de 3 le coût d'entre eux pendant cette virée. Ça peut être utile, ça. Pourquoi pas? Beau. C'est pas fou, hein. Ça, non. Ça, éventuellement. On peut checker s'il n'y a pas mieux. Ça, on le fera. Et ça, on le fera peut-être. On va peut-être faire les deux ici. Ouais, mais c'est random, hein. Est-ce que je vire ça avant? Je pense que oui. Faites-les sortir. Parce que derrière il peut être boosté random, il peut coûter 0 random en fait. Les vapeaux. Mais je peux pas virer une vapeau. C'est un serviteur. J'ai pas assez de spells de toute façon. D'abord il faut faire ça, autrement ça peut choke. Ok, on commence par ça. Bonne chance. Voilà, parce que si jamais on le réduit et puis que derrière elle coûte 0, c'est terrible.
Bah, je suis qu'à 4 du coup. Trois serviteurs adverses, bof. J'ai pas parce que Kaigos soit ouf dans mon deck. Oh, c'est bien ça! Oh, c'était bien ça! Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque autant de fois que vous voulez. C'était bien ça! C'est pas mal. Après, je peux le faire que 4 fois en vrai. Ok. À très bientôt. Non, mais le problème de Yogg, c'est que. J'ai pas un deck full spell non plus. L'archiviste. Trop tard, de trop tard. Elle préserve le souvenir des défunts. Ok. 5 fois. Comment c'est 5 fois? Il coûte 6, j'ai 4 de mana, donc ça fait 4. Ah, sauf si tu veux dire que je commence et que j'arrive à le réduire lui. Oui, mais c'est pas forcément sûr ça. Vu que c'est random le serviteur qui réduit. Des intrus ici. C'est le chapitre 5, oui. 5ème partie. Ah, c'est pas fou. On peut jouer ça directement T2. Je pense que je vais réduire. Ah, les nains! Ah, les nains, ils partent! Oh là là! Au nom de la lumière! Oh mon dieu! Quelle indignité! Je sers le seigneur du feu! Sautez l'argue! Je vais invoquer une copie blessée, mais autant je trade. Hein. Non, mena votre blessé. Oh non. On a combien là? On a 20, 26, on n'a pas l'état là. En vrai, autant que je vire les blessés pour récupérer des 9, non? En tout cas, des moins blessés quoi. Ah, mais là, je perds Anna. Ça vaut même pas le coup, je fais juste ça et passe en fait. Oh, vrai coup, hein. Tu peux tellement avoir des decks débiles, ça, Quiron. Tu as pas trade le bon. Il était pas 3 ce que j'ai trade? Oh, peu importe. On est pas bon? J'avoue que j'ai pas compté. 3, 5, 6, 7. Ouais, non, on sera pas bon. Même avec les projets qui touchent, on sera pas bon. J'avoue que j'ai un peu la flemme de compter. Hein. Je pense pas qu'il peut revenir là. Hop là, incroyable. La partie commence. Ah, alors t'as redonné 3. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, ok, ok. Je comprends. Mais bon, on était quand même proche de nos matchs. Ok, on a joué le beau jeu, mais en tout cas, on l'a toujours pas vu une seule fois sur le board. Hein. Et je suis pas sûr qu'on le verra. Mais bon, brûlé, bah on y retourne. Hein, troisième Antonidas qui va être spectateur. Allez, bon, au moins on a de la value après, tu vois. Mais ce taurène arpente le royaume des ombres. Si vous ne parvenez pas à le vaincre. Recrutez-le! Comme ça, si jamais je prends une AO et qu'on me vire Mena, bah hop! Antonida, c'est là pour carry. J'ai 4 nades, 3 Antonida dans le deck. Donnez-moi votre
fait ça ? Votre lumière est vouée à s'éteindre. C'est bien ça, mais... Y'a pas Lena là. Limite on garde ça au cas où. Non, Lena. En vrai, l'Artiflamme il est bien en mid-game avec plus de spells, pas au début. Allez, Lena. Il joue autant que Menarfa quand il était à Paris en Tundas. T'as un jeu que c'est dur hein. Ah j'en ai plus qu'un dans le deck. Non je dois en avoir 3. Là le truc il s'est planté hein, mais j'en ai encore 2. Je pense qu'il reste 2. Ouais si tu veux. Par contre ils vont être dupliqués à 3 et ils vont rediminuer ou pas? On va voir ça. Parce que eux vont repasser 3. Ok c'est bon. Ils sont copiés à la lettre. Du coup ils repassent derrière quand même comme il faut. Ça me va. Ce qui aurait été logique quand même, on sait jamais. J'avoue le choc à 2. J'ai pas envie de les tuer là eux pour faire la place. Ah des deux. Oui. Wow. Par contre moi en gros je vais trader celui de droite, autrement celui de gauche c'est celui qui invoque le plus. Ouais c'est ça, faut que je fasse gaffe à ça. Je joue rien. Le soleil. J'avais pas l'occasion de jouer Lena. Je m'étais dit ouais c'est pas mal. Ouais voilà, voilà, on a dit qu'il y aura un moment où il y aura un clean. Et du coup il fallait du backup. Heureusement qu'on a Antunidas. C'est le backup Antunidas. C'était le backup, c'était prévu hein. On savait que ça pouvait merder. Le problème c'est que la garder avec ça c'est un peu dommage. Du coup je vais faire ça. Ça. J'espère qu'il meurt pas, peut-être faire un truc au prochain tour. Chat noir. Messagère c'est beau jeu. Messagère c'est beau jeu. On est beau jeu nous. On prend étoile pour Otto. Allez. Avez-vous peur de moi? Ouais. Parce que là je peux pas Otto là. On peut contrer sa raise avec la métamorphose. Et oui. Allez Otto. Au prochain tour on envoie Antunidas là. Y a de quoi récupérer des boules de feu. L'apprenti ne sera pas prise en compte, si elle est déjà à 0, ça baisse une autre carte. Comment ça? Ah ok je vois ce que tu veux dire, ok c'est bien, ok je vois ce que tu veux dire, ça peut pas choper une carte qui est déjà réduite. Une carte qui est à 0 ne peut pas être réduite, il y a c'est ça toujours deux facettes. C'est ça c'est bien. Chose, y compris la lumière. 4, 8 et on fait ça, bah on a pile le clean hein, pour 0. Et on peut mettre ça en même temps. 6, 8, choc. Ça, oui, mais ça veut dire que du coup je peux pas jouer l'étoile donc ça m'arrange même pas. Ça m'arrange même pas en fait. Parce que. Ouais, ça m'arrange pas. Parce que je veux faire tous les spells en fait. Il va voir si on touche une boule de feu pour en refaire un du coup. Ah, dommage. Oui, si je jouais le choc en dernier, ça marchait, c'est vrai. Ouais, c'était un peu cher, mais oui. Ha! Loul.
contre, j'ai peur que. Ouais. Après, je peux faire ça, boule de feu, et puis putain, pas en faire sur l'autre, quoi. En last. Je sers le seigneur du feu. Choke pas, choke pas, choke pas. Attention, suspense. Vous voyez que les nains, c'est pas les seuls héros de cette aventure. Anthony Dassault aussi est là. x2. Yo Charon. Si jamais on touche une boule de feu, du coup je peux en faire une de plus, non? Ça ferait genre 3, 6, Non, ça marchera pas, ça fait 8, 11. Ok, ok. Du coup, là, je peux faire 9, ok, 3, 6, 18, 20. Ouais, c'est pas bon. I. Attends, c'est à tous les serviteurs, oui, c'est pas seulement aux serviteurs adverses. Ok, ok. On a fait tuer la bandit. Attaque, merci à toi. Merci frérot. J'ai peut-être même pu tenter deux boules feu face pour que ça touche. C'est pas ridicule. Ouais, la méta en feu va bien aider. Yes. Oh. Ah ouais, le mec fait des combos et tout. Bon. Ah. Si ça touche, j'ai l'étal ou pas? Ça veut dire que ça fait 4, 8. Il y en a une qui coûte 2, mais du coup, j'ai manqué de mana, donc non. Par contre, je peux tenter pour quand même faire le auto boule de feu. Non, ce serait pas fou. Parce qu'au final, ce serait quand même la même qui serait jouée, quoi. La lumière. J'ai trouvé ma place. Pas de lumière. Je crois que c'est pas voulu la combo de Lia. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais c'était beau. Ah non! C'est moi! Il a sorti les marmottes. Et allez! Ça c'est bon! On est au quantième là. On est au 7? 7, 8? Il y en a 4 de plus là. Sachant que là on est en mode normal, surtout le mode héroïque où c'est censé être un peu plus vénère. Ça c'est bien, ça j'adore. C'est insane. Alors ça c'est quoi? Non, ça j'aime pas. Et ça? Non, on prend le. L'Ozaru, c'est ça? C'est l'Ozaru à Dragon Ball. Vous me l'aviez rappelé l'autre fois, Ozaru je pense. Ozaru c'est OP. Quatrième Antonida, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, oui c'est vrai. Mais c'est la thématique, c'est la thématique. Le problème c'est que je manque de petits spells quand j'ai les Antonidas. Mais bon. 4 Antonidas dans le deck. Propre. Couteau sur le nain. C'est vrai qu'on pouvait faire le couteau sur le nain aussi. Place un vieux trésor aléatoire dans votre deck. C'est dangereux ça. 8ème ouais, le 8 là. Il reste 4. Ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à la synergie avec les nains, bien vu. Hey, ça vous intéresse une carte au trésor? Bof, non. Je veux juste choper les nains là. Comment ça se fait que t'as 12 boss? La dernière partie a 12 boss en gros, frérot. Chez tout le monde. Ah, le net. Le net. Le nain 7-7. La 7-7, incroyable. De choc. J'aime bien par contre le gros pouvoir en mode réduction, là, c'est insane. Travail terminé. Minute, vous pouvez pas prendre ça. Hey, une bonne place, ça n'est jamais trop dur. Non, non, pas le retour. Hein. Bon, j'ai le bolive.
Oh, nice. Travail terminé. Oh, c'est fait RNG là, putain. Heureusement que je peux faire des chocs de flamme T4. Hein. Pas de problème. Ah mais j'ai peur qu'il les tue là. Ah, ça va, il devrait pas les tuer. Je vais me retrouver avec full Antonina sans main, j'aurais l'air con sans spell. Une bonne place, ça n'est jamais donné. Putain, il est blessé, le malin. Il est blessé, il sait que ce sont des copies, du coup il anticipe. Oh quel génie. On peut peut-être mettre un Anto au body. Bah je commence par ça à la limite. Bof, c'est quoi l'intérêt? Parce que du coup je peux pas le jouer, si j'en joue à réduit c'est con. Non, juste en retour au body du coup. Et je tue le... bah 3-3. Vous avez besoin de mon insu. Il est toutefois un homme de génie. Ça sent bon. Off. Jouons les méchants. Ouais. Parce que je fais un choc pour cover le reste, mais du coup c'était con de poser du board. Tu une 7-2. Ouais, je peux t'en virer une, probablement, pour pas que ce soit trop chiant sur le board. Probablement que je blesse celle-là parce que là ça va être chiant pour après. On veut des nains un peu plus forts, un peu plus solides, mais ça veut. Et on garde l'Antonine d'As, etc. On pose même pas ça parce que là on perd un slot. Ok, on laisse comme ça. Ouais, ça tue les. Je me souviens quand je l'ai trouvé celui-là. Ces trades font mal au cœur, oui, mais c'est pour avoir des nains plus solides après. Oh, c'est boule de feu feuille ça. Ah, c'est un grand tout droit. Pas de débat là. Hop là. Concentrez sur le combat et pas sur ce que vous dites. Je vais me concentrer sur le combat et pas sur ce que vous dites. Il aime pas quand je parle, ok. Ok. Allez, le 9ème. Je rappelle, du coup, c'est la 5ème partie et il y a 4 boss supplémentaires. On n'a pas seulement 8 boss à battre, mais 12. Et quand on aura fini ça, on récupérera le paquet. Doré, je pense. Prenez une profonde inspiration. Vous allez devoir prendre des décisions rapides ici. Votre adversaire a 25 secondes pour jouer son tour. Ha ah merde. Merde. Oh putain, c'est bon, j'ai perdu au capitule. Putain, merde, j'ai 25 secondes. Aïe aïe aïe, le counter. Non. Ah non. Trop malin, Blizzard. Ok, je peux pas lire le chat, les gars. Non. Parce que là on joue posé depuis tout à l'heure, mais là je vais devoir accélérer du coup. Au moins j'ai le temps pour minigun, je pense, ça va ça. Fin du game, échec et mat. Concentre-toi, ouais t'inquiète, tu focus. Ok. Ah j'ai pas les nains, on est dans la merde. On va voir directement une corde. Il met une corde ou pas le jeu? Ben genre il me laisse 10 secondes et puis il met une corde. Comment ça se passe? Oui, 2h38 sans mettre départ. Wow, wow, wow. Maliga, c'est 25 secondes aussi ou c'est 15 secondes et la corde est un peu plus longue du coup? J'ai un doute.
Ah, j'adore la corde. Ça va. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Chaque seconde compte. Ah, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. J'ai quand même envie de le tuer, mais. Parce que là, s'il récupère des secrets, c'est terrible. Ah, c'est 15. Hein. Donc là, il laisse 10 secondes et puis la corde part. Allez, je vais le tuer, je vais pas laisser ça. C'est trop dangereux. Nous avons de nombreux secrets. Ouf. Hop, 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 oh, oh. Le problème, c'est l'entité ou je sais pas quoi. Donc, il faut que je commence avec ça et puis que je joue lui. Ok. Order. Ok, ok, ok. On est smart. Ok. Là, il y a trop de secrets pour jouer autour de tout, hein. Je pense que je vais même pas checker ses secrets à lui. Je pense que je vais faire ça, ça et checker face en fait. Après, j'ai pas checké entité là, il vient d'en reposer, donc oui, j'ai pas checké entité. Donc, je vais commencer par ça pour entité pour devoir le trade. Le problème, c'est que ça peut être dupliqué du coup. Non, ça va. Du coup, je fais ça. Je trade pas parce que tout le monde j'ai des dupliqués blessés. Là, on va voir si c'est pas vapeau barrière, non, et on fout face. Ok, super. Ok. 3 d'Antonidas en main, super. Je refais. Non, mais sur entité, justement, j'avais le premier pour le trade. Le problème, c'est si c'était dupliqué derrière qu'il pouvait avoir. Waouh! Waouh! En vrai, je veux bien activer une effigie avec le blessé de toute façon. Hein. Effigie dupliquée, je m'en fous. Ah, vas-y, prends. Ouais, mais j'ai pas le temps là, oh! Non, mais arrête la corde, mais non! Non, je vais me faire baiser là, je sais que je vais me faire baiser, je le sais très bien parce que là, il y a un contre-sort qui va s'activer, ça va être méga chiant. Voilà, on avait compris. Yeah, si tu veux, c'est bon, il est mort. Ok, ok, go. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est totalement maîtrisé, les gars, je peux même appuyer sur pas de tour. Oh là là là. Par contre, j'aurais dû mettre rune. Non, le counter! On a pas l'état là, on a beaucoup de dégâts. Propre, je vais lui piquer. Ouais, parce que je veux rien jouer avec le reste en main. Yo Zomi. Il doit y avoir un bloc par contre, il doit y avoir un bloc, c'est sûr. Ah merde, du coup j'ai pas optimisé l'order là pour le faire propre plus bas. J'ai pas fait propre. Ah, le bloc. J'aurais pu le mettre plus bas. Tout. Mais bon, là c'est fini. Là. Nous avons de nombreux secrets. On va plus avoir l'état du coup là. Bon, les Naokari, les Anto sont là. Les frérots. Mais pas utile. Quelle incroyable découverte! Y a pas la corde tour. Si, mais je joue tellement vite que la corde n'a pas le temps de venir en fait. Je suis trop rapide pour la corde. Eh ouais. Trop rapide! Allez, suivant! Plus que deux! Notre propagande est plus efficace depuis que nos affiches résistent à l'ajout de moustaches. On reprend ça. On se dit qu'on prend ça au cas où. Si jamais ça tourne mal, c'est bien ça. Vas-y, au cas où. On prend backup. Y'a pas de corde d'aventure. Si, c'était l'effet du héros. T'as rien suivi. Si.
C'est le passé, Vlugero. Mukla, mais j'en ai déjà un Mukla. Moi je veux bien prendre un deuxième Mukla, j'aime bien Mukla, moi j'adore Mukla. Si vous voulez, on prend deux Mukla. Et on dit fuck it. Mukla, ok, go. Go Mukla. Deux Mukla, 4 Tortundas et 4 Je le soupçonne de garder quelques atouts dans ses mains. Rajoute des sorts, des arcanes aléatoires dans votre main. Ajoute un sort, ok, ok, ok. Merci Peps. Merci pour tes 4 mois. Rakanishu contre l'archimage. Par contre, en mode héroïque, ça peut être chaud, hein. On va voir. Mais pour le moment, les modes héroïques n'étaient pas si compliqués. Donnez-moi votre trésor. Votre petite affaire s'arrête ici. J'ai quand même 3 vieilles vapeaux dans mon deck, hein. Oh mon dieu. Pourquoi j'en parle, moi? Pourquoi j'en ai 2 en main? Oh. 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 Sous Antonidas en vrai. Oh nice. Travail terminé. Lozaru au prochain tour. À la puissance des arcanes. La connaissance c'est le pouvoir et mon savoir est immense. Ah frérot. Je t'avoue que contre Lozaru, ça va être tendu. J'en appelle à la puissance des arcanes. La connaissance, c'est le pouvoir. Et mon savoir est immense. Oh. Bon, ça va tuer un T4 avec une vapeau, ça va. Je vous grille, je vous gèle ou je vous explose. Est-ce qu'il peut tanker? Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas le truc qui lance des projectiles, c'est le spell en contenu. Ok. Je sais pas si je fais auto maintenant. 3 manxi. Plus qu'à toucher une fois. Ah, dommage. Je ne retiendrai pas mes sorts. Je vous grille, je vous gèle ou je vous explose. Je vais le laisser au milieu sur, si jamais je vous mettais au rouge, je sais pas quoi. On doit peut-être le mettre au milieu. Bon, après là, c'est pas trop gênant. Et moi, il m'a tatoune dessus. Je pense pas. Mais c'était une Soul Fury, j'imagine que oui, du coup. C'était une Soul Fury, par contre, ça va marcher. Je fous le gars des sorts, il faut que je me méfie. Bon, à défaut d'avoir les nazes, c'est Lozaru qui est en train de carry. Deux héros, un seul vainqueur. On peut combo double T7 avec Appel et Auto, mais bon. C'est pas un beau jeu de tuer Auto. Si on peut. Après c'est dommage de pas le faire sur le même tour qu'on fait auto, mais bon, go. Aïe 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 aïe. Vous avez besoin de... Goûtez à la puissance du Kirin Tor. Ok. La deuxième vapeau. L'apprenti avec Kanto est peut-être même mieux, non? Que Kalegos. Après Kalegos avec la pelle c'est débile. Oh vas-y go. C'est marrant. Exécution du premier secteur.
on va. Je suis un maître en magie. Le sage ne meurt jamais, c'est ça. Le sage ne meurt jamais, sauf sur genre néant, j'imagine. Il faut un truc du style néant, en gros. C'est du coup assez compliqué. Go hein. Le sort du monde a des forces. Kalekos, pourquoi m'avoir tourné le dos? Est-ce qu'on met ça plutôt et on fait éventuellement le portail au prochain tour dessus? Parce que là-bas j'étais parti sur Orange, j'en fais un double mais j'ai un doute. Enfin, j'invoque 2 T10. Destruction, incendie. Tu fais les deux, je peux pas. Je peux pas faire les deux. Sauf si ça touchait. Yo, c'est vide ici. Je sais pas, tous des branleurs, ils travaillent pas. Ce côté assassin aussi peut gérer Mukla. Ouais, c'est vrai. Voilà qui devrait faire. Bon, non, normalement il tape pas dans Kaligos. Hein. Donc peu de chance que ce soit utile. Par contre, j'ai essayé du coup le trade sur Vapo. Oh, c'est terrible ça. Putain, le Mukla qui carry de ouf. Oh, oui, vas-y, tape dedans. Tape dedans. Alpha. Aïe, 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 aïe. Du coup, on peut en profiter pour trade et ensuite seulement value l'appel. Incroyable, incroyable. Oh, il y a des trucs sympas là. Dommage. Vous avez besoin de magie, vous soumettra. Ah ah. Ah ah. Vous ne gagnerez jamais. La magie a toujours coulé de source pour moi. Il a beaucoup de cartes, mais pour le moment, ça fait pas grand chose. Lena en plan B, c'est ça. Lena, c'est le plan B. Château, on le termine. Vous ne gagnerez jamais. La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Les étoiles vous éclairent. Miss A. Ça, je peux trader avec Mukla et mettre un poids de dégâts en plus. Bien vu. Il a tellement carry Mukla. Après, c'est sûr que c'est fumé, on a pu le tester déjà quelques fois. Vraiment sympathique. Méfiez-vous. En vrai, il reste deux, il reste lui plus encore un autre. Par contre, il y a plus Bob depuis tout à l'heure, c'est terminé Bob. Lui aime le croire. Votre héros gagne plus 1 dégâts des sorts, plus 0 actuellement. Putain, mais c'est fumé ça. Waouh, c'est-à-dire qu'en fin de partie, il peut monter à genre 10, 15. Waouh. Bon, après, ça coûte du mana, heureusement. Ok. Peut-être que je recours à un choix avant de jouer le dernier boss. L'archimage, on sent Kalec. C'est pas validé, ça, Charon. Peur est justifiée. Dans l'aventure, je vais d'avoir la cloche du paladin écho pour 0. Donc, si je la pioche, je win. Ah ouais, bah, t'as au TK toutes les options. Enfin, tu peux avoir des options au TK, ouais. Après, il faut choper. Bon, là, on a une vraie main. Hein. On a une vraie main là. Je pense que tant qu'il s'amuse à avoir du spell power, on l'aura plié. Hein. À 100 points de vie, ah ouais. Ah, la carte qui était boostée. Oh, cheat.
Elle était buff avant, elle coûtait 4 les amis. Les frérots. Le problème c'est que j'ai pas envie de les blesser. Genre je fais ça et je tape face ça. J'ai pas envie que les doubles soient blessés. Dalaran n'est pas un jouet. Tes vies sont... Yo bro, good luck pour Vegas, on croit en toi. Ah tranquille hein. Écoute, on va aller un peu visiter. Ça fait plaisir. Je veux trade le blessé. J'ai même envie de faire la boule de feu et de garder les trois autres en mode dupliqué. Je vais pas mettre les autres là parce que j'ai pas la place. Enfin si je pourrais mais... C'est un peu dommage quoi. Mettra le Zaru là après. J'avoue qu'après je suis laissé à 6-6. Mais Osef, après je peux retrade pour faire la place avec les autres. Ah ouais, c'est tellement débile. Allez les marmottes, à l'attaque. Allez. Allez. Ça c'est bon ça. Ah magnifique. Bon en vrai ça m'a arrangé que ça tank beaucoup, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin que ça ait face. Il y a vraiment des cartes trop OP putain dans sa aventure. Ah les marmottes. J'ai quand même l'impression d'avoir un deck de débile hein. J'ai quand même l'impression d'avoir un deck de débile. Si ce n'est les Antonidas, encore une fois j'en ai 4 des Antonidas. Juste bah... Les Antonidas se font carry par les nains. Je suis la nuit la plus noire. On n'est pas à l'abri de recevoir ce genre de carte à la prochaine extension. Je doute quand même. On a combien là? Pas assez hein. 2, 4, 5, 15, 20, ouais non non. Il y a combien de spell power là? On peut pas savoir le total. Non on peut pas savoir. Si je mets ça, c'est top. Non, parce que c'est l'autre qui a... les autres sont invoqués avant, je pense. Du coup, ça fait combien? Ça veut dire que ça va faire. Si, ça c'est top, non? Non, ça c'est top pas. Si. Si. Mais même ça en fait. Même ça. Sans, ça fait 23, ça fait 25. Hein. 6 x 3, 18. Plus 5, plus 2, donc ça fait 20, 25. Oui, donc j'ai pas envie de le poser en soi. Si ce n'est le guide Swing Out. Ok, ok. Ah, oui, également. Bah, c'est pour ça que je garde ça en backup. C'est que si il fait une AO, c'est bon. Le setup, les gars. Bon, pour une fois, on a réfléchi quand même. Autrement on doit poser ça peut-être pour avoir 4 points de dégâts en plus s'il y avait besoin. Dis bonjour au dernier. Ouais c'est pas lui le dernier, au prochain, ok ok. Allez. Le dernier. Et on aura un booster doré les amis. La propagande est plus efficace depuis que nos affiches résistent à l'ajout de moustache. Ça peut être bien. Beau. On a la récompense de la quête, mais bon, je sais pas. Comme vous voulez, comme vous voulez. Dites-moi, 1, 2 ou 3. Ah, la boîte, 2 propagande du mal ou 3 l'étude des cas. 3. Il y a plus de 3 quand même, j'ai l'impression. La quête, 3, 1. Il y a pas tellement de 2. Ah, y'a pas mal de. Ah, aussi. Ah, putain, c'est tendu. On va prendre 3, c'est pour autant qu'on a pas vu les quêtes. Mais oh, aurait pu être sympa aussi, je suis d'accord. Difficile de juger à l'œil là pour savoir ce qu'il y a le plus. L'expulsé de Dalaran serait un véritable triomphe. Trop Paul, ouais, j'ai pas le temps. Elle voit quand même en terre de 3, elle copie vos sorts. What the fuck, comment ça?
Comment ça, ils copient vos sorts? C'est-à-dire, tu payes 3 de mana, avant qu'un élémentaire de 3, il copie vos sorts. Quoi? Il double les sorts qu'il a dans sa main? Je comprends pas. Comment ça, il copie les sorts? Il relance tous les sorts de Khadgar. Ah! Il recaste, ouais, mais c'est mal. On est d'accord que c'est mal traduit. Putain. Pour le coup, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Il double les sorts lancés. Ok, merci les gars. Ok, ça va Vargotest en toi. Ok. Ouais, c'est pas ouf la traduction. Ok, merci. Il relance un sort. Ok. Il faudra le tuer quoi. Non, il vous faut une vraie main là, c'est le dernier les gars. Putain, j'avais une pion dans le deck. Faut dire bonjour. Ok, on a l'Ozaru. Double Ozaru, ça peut marcher aussi. Et la quête, ça pourrait être bien aussi à voir. Et les nains. Il y a des trucs sympas quand même. Je dodge les Zanto. Parce que les Zanto, ils servent à rien. Ah, par contre, double Vapo, stop, se fout de ma gueule. Bonjour, pitoyable mortel. Étrange moment pour discuter, mais bonjour. Ça va. Ça va, ça va, c'est courtois. C'est aimable. Je sers le seigneur du feu. J'ai pas le meilleur start, hein. J'ai pas le meilleur start, je suis pas serein non plus. Je vais le jouer pour pas que ça proc et c'est proc Lozaru. Ah. Travail terminé. Ah, il va me violer là. Là c'est parti pour un viol les gars. Après j'ai des... J'ai des chocs dans le deck, mais ouais. On a vu mieux comme start. Hop là, la Vapo. Par contre, on peut essayer de chatter Lozaru et de poser instant là. Et au pire, on met une Vapo. Vas-y, on va tenter comme ça. Oh, allez. C'est bon, Lozaru il va tanker, il va carry. Le boss! Tu es le boss! Je sers le Kirin Top. Nice, les nains. Ok, ok. J'ai envie de trade, de torche et jouer les nains. Bon, bah je pense que c'est bon. Je pense que c'est validé. C'est pas mal, je satisfais pas aux arômes. On peut essayer de le drop et s'il le gère pas, on se met au boulot pour château. Le problème c'est que j'en ai 4 et je vais vite les récupérer et ce sera bloqué. Ok. Oh. Nice. Le placement est pas bon sur deuxième météore, on a dû le mettre là. Bon, ça change rien vis-à-vis de l'autre, hein. En vrai, ça change rien du tout. Ça nous a où. La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Ah, notre Zaru. Ok, ok. Et... Je sers le seigneur. Par contre, le dernier comme ça en mode héroïque, ça peut être vraiment tendu. Là, ça va, c'est plus le côté normal qui carry. On va voir le paquet doré. Après, peut-être ça peut choke, hein, mais j'y crois. Merci, Jibay. Merci pour tes 3 mois. Ouais, faut que je mette mes serviteurs à gauche, je me classe, c'est ça. Yes, je le fais pas bien là, le placement depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. On peut check un contre-sort avec ça. Le problème, c'est que j'aime bien faire 3 boules de feu en fait. Donc je vais ignorer. Ah, fais-toi plaise. Hein. Ah,
Yo le roi Bowser. Ouais, c'est le chapitre 5 là. On est sur le chapitre 5, frérot. Oh! Non, non. Ouais! Non, c'est mieux. Alors j'ai peut-être du trade avec Bowser rouge, je sais pas. Bon, c'est lui qui va dégager, attends. Alors moi je jouerai du trade avec ça, mais on va faire genre non, on va trade avec Bowser rouge. Je me mets propre. Bon, c'est trop tard, mais c'est pas grave, on fait semblant. Bon, c'est pas comme si la game était terminée là, je sais pas comment il peut revenir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah ouf, je m'en fous. De toute façon, en fait, le problème c'est qu'il a, il est trop lent en fait là pour revenir. Même s'il a des bonnes cartes et tout, on est trop devant. Y'a combien là? 10, 18, si on met 12, on a 20. Enfin, on a 30. Ok. Bon, on a pas de place en main, tant pis. Bon, en main deuxième? Allez, au beau jeu. Pour le style. Après, je peux éviter le problème en posant ça. Hop. Ah, le placement est pas bon. Hop là. Pour le protéger de météores. Ouais, c'est le mode normal, donc c'est easy. C'est normal. Yes. Merci la Hurricane, merci pour tes 4 mois. J'ai chopé Extraza chez Bob, ça a l'air insane sur tout ce base. Oui, Extra, c'est débile. Parce que bah quand ils sont à 100, 110 points de vie, là tu les tu les baises easy. No. 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 Il carry tellement les deux monkeys là. Il me sauve la vie, c'est con. Ah, il faut tanker les frérots, hein. On a pas l'étal. Si ça chope une boule de feu, c'est l'étal. Non. Non, il manquerait A. Il manquerait A. Par contre, est-ce que je peux avoir l'étal là-dessus? Un truc à 2 pour Odd Mana. Je vois pas. Si, je peux avoir éclair et genre réduire après avec une autre carte. Faisceau, ça va pas face. Hein. Ok, donc y'a pas, forcément pas l'étal ici. On prend un Nova au cas où. L'étal, mais non, j'ai pas l'étal, j'ai pas la mana. Ils sont gelés les monkeys. Ils sont gelés les gars. Ils sont juste gelés. En vrai, je pourrais tester ça pour essayer de choper la 2-3 ou la 3-2. Vas-y. Okay. Ouais, ça c'est en 2 tours de toute façon. En 2 tours, j'ai l'étal, mais il faut juste que j'évite que lui me sorte l'étal de l'espace, tu vois. On sait jamais, je sais pas exactement ce qu'il joue, il peut avoir des cartes pétées du monde aventure. Donc on va dire que le fait de ne pas mettre de bull face, c'est pour être safe. Non, la potion tue pas. Elle affiche le poids de dégâts à tous les serviteurs, pas aux héros. Ça ne marche pas. Avec ton héros power, tu pouvais. Non, non, parce que si je réduis une boule de feu de 4 à 2... Bah c'est à dire qu'au total ça fait 10 de mana sauf que j'ai utilisé le hero power donc ça fait appeler à 11 de mana. Donc non, je peux pas non plus. Non, ça marchait pas frérot. Bon, le paquet doré normalement. Mais c'est là au Mutla, le Mutla était gelé, on l'a dit. Le Kirito est en fuite. S'en saisira
Soit on débloque des pouvoirs héroïques spécifiques à l'aventure à jouer. Et d'autres decks de start, ok. Et là, normalement, j'ai la récompense qui va être du coup le booster doré. 3 boosters en plus, c'est le booster doré. 15 réussis. Ouais. Ah! Faut une légendaire dedans, il faut une légendaire. Alors pour l'héroïque, on va faire la suite, mais j'ai fait le reste sur NA. Donc là, j'ai fait que deux parties sur Europe de l'héroïque. Les autres parties, je les ai faites sur NA. Donc je vais même pas terminer l'héroïque ici, il faut que je fasse le reste à l'occasion. Waouh, c'est beau. À moi! Dalaran est tout à moi! Je veux dire, à nous. Nous avons mené à bien la première partie de notre plan diabolique. Il faut payer pour aventure. La première partie est offerte et le reste tu peux payer soit avec des golds, soit avec du vrai argent. Soit des golds in-game, soit du vrai argent bien sûr. Hop là. Mais ta première partie qui est offerte. Et t'as d'office du coup à des boosters offerts. Pas fou. Après c'est important que ce soit celui-là qui est la légendaire. Tionnel. Là si j'ai une légendaire ici j'ai le seum parce que ça diminue les stats sur l'autre. Allez. Ah non. Ah! Pue la merde! Ça pue la merde! Oh, j'ai le seum! Morsure quoi! Aïe aïe aïe! Bon bah, GG en tout cas à ceux qui auront une légendaire dorée, ce sera pas moi. Déçu. Ah, c'est une chance sur à peu près 20 d'avoir une légendaire dans un paquet.